Nous sommes en route pour des visites de sites prestigieux, les tombeaux de la dynastie Ming, l'allée des animaux et la fameuse Grande Muraille de Chine. Ça dépend la forme, c'est la forme meilleure en fait, il y a aussi des chairs. Donc c'est pas vraiment beau. Mais ça c'est pas très beau. C'est pas très beau. Chatham. Thank you.
là, celles-ci, elles sont belles avec la grise, elles ont une belle couleur. Nous découvrons le long de la route les premiers contreforts montagneux au nord-ouest de Pékin. La dynastie des Ming a régné sur la Chine entre 1368 et 1644. Sur les 16 empereurs de la dynastie, 13 sont enterrés dans cette nécropole. En pierre, avec les animaux, tout ça, jusqu'à l'entrée de tombeau de Changlin, ça fait 7 km de long. On l'appelle la voie sacrée. La voie sacrée. Mais après le tombeau de Changlin, on va prendre le bus. Jusqu'à ici, on va marcher 1 km. À l'époque, en Chine, on aime bien envoyer les gens qui conduisent bien le fonché pour trouver un endroit favorable. Ça veut dire qu'il est bien protégé par la montagne, arrosé par la rivière. C'est le troisième empereur Ming, Yongle, qui est l'initiateur du projet et qui repose au milieu de la nécropole. Les morts ont toujours leurs âmes qui existent et ont des besoins comme les vivants. Aussi, les bâtiments des tombeaux sont des palais impériaux en plus petit, avec le mur rouge, symbole de la terre, et les tuiles jaunes symbolisant le ciel. Depuis 2003, cette nécropole est inscrite au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Kui Longzi sont des tuiles faîtières à formes animales dont le nombre indique le rang du bâtiment. Ce plus haut bâtiment est le tombeau central de l'empereur Yongle, dans lequel nous pouvons pénétrer. Vous ne voulez pas nos marchandises proposées? Alors nous fermons nos ombrelles.
Nous passons la dernière porte de la voie sacrée des esprits. C'est la porte du dragon et du phénix, symbolisant l'empereur et l'impératrice, qui conduit au tombeau de l'empereur Yongle. C'est aussi la voie des esprits ou voie sacrée qui est l'entrée de la nécropole impériale des Ming. Elle est longue de 7 km. Elle a été construite en 1435 sous le règne de l'empereur Yaying. Sur 800 mètres, nous suivons deux rangées de 36 statues d'animaux et de mandarins en pierre. Toutes ces statues sont taillées d'un seul bloc et chacune est une œuvre d'art. Ce statuaire symbolise la garde d'honneur de l'empereur et vise à orner le mausolée pour former un cortège funèbre. Dans le restaurant où notre dîner est prévu, de nombreux produits de la mer vivants nous accueillent à l'entrée dans leurs aquariums. Plusieurs plats variés et appétissants nous attendent sur le plateau tournant de la table ronde. En avant, chevalier, bon appétit! La grande muraille ou longue muraille de Chine est un ensemble de fortifications militaires construites entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 17e siècle pour marquer et défendre contre les invasions la frontière nord de la Chine. C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l'homme en longueur, surface et masse. La longueur des murs serait de 6700 km de long.
Nous visitons la section de Badaling, à 80 km au nord-ouest de Pékin. Cette section, bien rénovée, a été construite par les Ming et servait de barrière de défense au nord pour la capitale et les tombes impériales. Construite essentiellement en granit, la grande muraille est haute de 7 à 8 mètres et son sommet est large de 4 à 5 mètres. Plusieurs miradors sont placés le long de la muraille afin de surveiller les environs. 22 miradors sur 2250 mètres. La grimpette des escaliers et chemins de ronde est un véritable défi physique, fitness assuré. Chapeau aux ouvriers qui ont construit et aux soldats qui ont parcouru avec armes et bagages cette muraille. Admirable l'énergie du bonhomme à plus de 80 ans. Dans cette portion, les remparts sont crénelés des deux côtés, intérieur et extérieur. Malheureusement, depuis 2001, l'autoroute qui vient de Pékin enlaidie et pollue de gaz d'échappement et de bruit perpétuel ce magnifique site. Et la brume nous empêche de bien distinguer la majestueuse muraille et ses miradors qui courent le long des crêtes des montagnes.